Je m'appelle Nathalie Dubois. Ça, c'est mon mari Bruno Dubois. Nous sommes de l'île Maurice. Je suis venue ici pour avoir le traitement de mon mari. Mon mari, il a eu une veine qui est cassée dans sa tête. Mais ici, dans l'hôpital Intermis, on a opéré. Mais maintenant, mon mari va mieux. Mais ici, à l'hôpital, le docteur fait très bien son travail. Le nurse, ça fait très bien son travail. Mais une seule affaire que je n'aime pas ici, les gens qui travaillent ici, qui nettoient la salle, ils n'aiment pas frapper à la porte avant de rentrer. C'est ça le problème que j'ai ici. Mais aussi, le gouvernement de l'île Maurice a payé pour mon mari pour venir ici pour opérer. Mais l'argent n'est pas suffisant. Mais moi, je ne suis pas russe. Je suis à l'île Maurice, un peu pauvre. Mais ma famille doit trouver la solution pour repayer encore l'argent. Chez nous, ça fait 300 000. Ici, ça fait 600 000. Mais pour ma famille, ce n'est pas facile pour avoir encore de l'argent pour donner mon mari son traitement. Mais c'est pour ça que je voudrais dire que le ministère de la Santé de l'île Maurice, il faut nous aider un peu plus. Mais l'argent, ce que le ministère m'a donné, ce n'est pas suffisant pour mon mari. Mais ça même, je veux dire, pour le ministère de Maurice, mais ici, l'hôpital, c'est first class que de l'île Maurice. Pardon, il fait bien. Il écoute les patients bien. Il traite les patients bien. Mais moi, je suis très fière de l'hôpital ici. Il fait bien, mais à part tout, nous sommes des Mauriciens. Mais il faut payer quand l'argent de ministère est fini. C'est ça le problème pour le Mauricien. Mais si on n'a pas d'argent, mais mon mari ne peut pas avoir le guérison. Mais je voudrais dire encore une fois que le ministère de Maurice, il faut aider le Mauricien un peu plus.